Depuis 1924, Able aide les gens comme vous à garder leur restaurant et leur cuisine industrielle propre et à l'abri des parasites. Une cuisine propre et sûre aidera à prévenir les problèmes sanitaires ou d'innocuité alimentaire. De plus, elle fera le bonheur de votre inspecteur local de la santé publique. Mais saviez-vous que cela peut aussi drastiquement diminuer les problèmes parasitaires? Votre cuisine est un environnement très attirant pour de nombreux parasites. S'ils trouvent le moyen d'y entrer, celle-ci deviendra une source de nourriture, d'eau, de chaleur et un abri où se reproduire et proliférer. Vous pouvez empêcher que l'accumulation de nourriture, de graisse ou de résidus organiques et les problèmes structurels ne transforment votre cuisine en refuge pour parasites. Joignez-vous dès aujourd'hui à notre équipe pour en savoir plus sur comment faire de votre cuisine une cuisine propre et sûre. La nourriture, les dégâts, les odeurs, la chaleur et l'humidité font que les cuisines industrielles attirent les parasites. Les parasites communs sont les mouches domestiques, les mouches à fruits, les cafards, les rats, les souris, et les fourmis. Ces parasites posent un problème de santé parce qu'ils transportent et transfèrent des bactéries pathogènes à la nourriture et aux surfaces de cuisine, propageant des maladies d'origine alimentaire aux clients. Les mouches domestiques se reproduisent dans les aliments pourris ou en décomposition, les carcasses et les excréments, où vivent des bactéries dangereuses comme le coli et la salmonelle. Quand les mouches se nourrissent, elles régurgitent des enzymes pour les aider à digérer leur nourriture. Elles absorbent cette bactérie en mangeant, puis volent jusqu'à une nouvelle source alimentaire et contaminent cet endroit également. Les mouches et les rongeurs sont couverts de poils qui ramassent et propagent des bactéries dangereuses quand ils se déplacent. Les surfaces en contact avec les aliments, comme les comptoirs, sont particulièrement problématiques car ces parasites urinent et défèquent continuellement en se déplaçant, augmentant le risque de propagation de la contamination. La plupart des espèces de mouches peuvent compléter leur cycle de vie en une semaine s'il fait assez chaud. Pour réduire le risque d'infestation de mouches, vous devez éliminer tous les sites potentiels de reproduction. Ces types de sites peuvent inclure la moisissure, les drains des vieilles salles, les poubelles ou la nourriture avariée. Un horaire de nettoyage bien organisé est donc crucial pour aider à réduire et prévenir les parasites et les menaces pour la santé qu'ils représentent. Les endroits comme les drains de sol, les drains d'évier, les contenants à ordures et le recyclage, le dessus des comptoirs, les pièces d'entreposage, les conduits de bière en fût et les fontaines à soda ou à sirop doivent tous être nettoyés régulièrement pour empêcher le développement de bactéries. Les zones de préparation doivent être propres et exemptes de résidus alimentaires indésirables. Cela compliquera la tâche des mouches qui cherchent à établir de nouveaux sites de reproduction. Un nettoyage régulier des sols est également essentiel. Éliminer la source de nourriture des rongeurs aidera aussi à garder vos installations à l'abri des parasites. Avoir un horaire de nettoyage est un atout important de votre programme de gestion parasitaire. Si la routine de nettoyage est importante, une cuisine propre et sûre doit aussi faire l'objet d'un entretien structurel adéquat pour empêcher les parasites d'y entrer. Les surfaces doivent être lisses, sans tuiles fissurées ni coulis qui se désagrègent sur les murs ou sur les sols. Aucune ouverture dans les murs, le sol ou le plafond ne doit permettre aux parasites d'entrer, de se déplacer ou de nicher. Les zones d'entreposage doivent être sèches et les étagères doivent être pourvues de roulettes pour faciliter le nettoyage en arrière. L'entretien structurel de votre cuisine la rendra moins susceptible aux infestations et, advenant des activités parasitaires, celles-ci seront plus faciles à gérer. Les avantages d'une cuisine propre et sûre sont évidents, mais l'emploi du temps chargé et le roulement du personnel peuvent être un obstacle. Discutez des routines de nettoyage lors de vos rencontres hebdomadaires pour vous assurer que vos employés comprennent qu'ils sont tous essentiels à la sécurité et au succès de votre entreprise. Voici 5 étapes faciles pour garder votre cuisine propre et sûre au quotidien. Premièrement,
Faites la liste des tâches précises à faire. Par exemple, laver les sols deux fois par jour, laver la fontaine de soda quotidiennement, laver les contenants à ordures sous haute pression tous les mois. Estimez le temps que prend chaque tâche, la fréquence à laquelle elle doit être faite et les outils et les produits requis. Deuxièmement, assignez une tâche à un employé. Quand vous assignez des tâches individuelles à des employés, ils savent que c'est leur travail et qu'ils en sont responsables. Vous pourriez aussi embaucher un service de nettoyage pour certains items de votre liste pour faciliter la gestion. Troisièmement, laissez suffisamment de temps à vos employés pour compléter leurs tâches. Un certain laps de temps doit être alloué au personnel pour accomplir la tâche de nettoyage correctement. Cela permettra de s'assurer que le travail est bien fait. Quatrièmement, fournissez les outils adéquats. Travaillez avec le personnel pour faire la liste des produits nettoyants et des outils dont ils auront besoin. Leur demander leur avis et leur donner les bons outils leur envoie le message que vous prenez le nettoyage au sérieux. Cinquièmement, faites des commentaires constructifs à vos employés sur leurs tâches de nettoyage respectives. Qu'ils soient positifs ou négatifs, vos employés sont responsables et doivent effectuer leurs tâches correctement. Suivre ces instructions assurera que les personnes responsables de garder votre cuisine propre sont aussi motivées que vous et ont les outils et le temps nécessaires pour garder votre cuisine propre et sûre. Dans cette section, nous discuterons des parasites communs associés à la nourriture, des zones à problème dans votre cuisine et des méthodes de nettoyage préventif. Les conduits et robinets à soda attirent aussi les mouches. Cela est principalement dû au soupe dans les conduits et les embouts, et dans ce qui a débordé dans le bac de trop-plein. C'est le site de reproduction idéal des mouches à fruits. Un nettoyage quotidien est donc nécessaire. Portez des gants et des lunettes de sécurité avant de mélanger la solution sanitaire dans le seau. Ces solutions de nettoyage sont disponibles dans les magasins de produits nettoyants. Suivez les instructions. N'utilisez pas d'eau chaude ou de produits chimiques, car cela pourrait endommager les joints du pulvérisateur ou laisser des résidus. Dévissez l'embout de la fontaine ou du pulvérisateur. Retirez également le diffuseur situé sous l'embout. Laissez tremper l'embout et le diffuseur dans la solution sanitaire en suivant les instructions indiquées sur le produit, pendant que vous nettoyez le reste de la machine. Essuyez le reste de la machine à soda, y compris le bac de trop-plein, à l'aide d'un linge propre et d'un détergent. Rincez à l'eau puis vaporisez la solution sanitaire telle qu'indiquée dans les instructions du produit. Assurez-vous de nettoyer particulièrement bien l'embout et le diffuseur. Retirez l'embout et le diffuseur de la solution sanitaire, puis essuyez toute saleté. Laissez-les sécher à l'air libre avant de les rattacher à la fontaine. Les embouts des fontaines à soda et les pulvérisateurs doivent être retirés et nettoyés quotidiennement. Les conduits à soda doivent être nettoyés tous les 6 mois et les conduits à jus tous les 3 mois. Les comptoirs, les zones de préparation des aliments et les comptoirs de service sont des zones de trafic intense qui doivent être nettoyées après chaque utilisation. Cela aidera à réduire les risques de contamination par bactéries ou virus. Commencez par retirer ou couvrir la nourriture puis nettoyer les items de la zone. Retirez la saleté, les résidus alimentaires ou les miettes en balayant, en essuyant ou en pré-rinçant. Lavez ensuite la zone avec de l'eau chaude savonneuse, puis rincez avec un linge à vaisselle propre. Toutes les surfaces, la vaisselle et les verres utilisés doivent être remplacés et nettoyés quotidiennement. Aspergez la surface d'une solution désinfectante. Laissez les surfaces sécher à l'air libre avant de commencer à y préparer de la nourriture. Il est important de laver, rincer et désinfecter les surfaces en contact avec les aliments avant chaque utilisation. Suivez les instructions des fabricants d'équipements pour l'utilisation adéquate des désinfectants. Suivez aussi les instructions des fabricants de produits chimiques pour les taux de dilution adéquats et la manipulation sécuritaire des désinfectants. La préparation alimentaire et le pré-lavage de la vaisselle augmentent l'accumulation de débris dans les drains déviés. Comme les mouches adorent les résidus organiques, cela devient une autre zone à problème pour les infestations. Faites couler l'eau chaude en vous assurant de lui laisser le temps de chauffer. Placez le jet le plus proche du drain possible et laissez l'eau s'écouler pendant environ 15 secondes. Nettoyez vos drains déviés environ une fois par semaine pour prévenir les accumulations et les odeurs.
en cas d'odeur ou d'accumulation, une solution nettoyante plus puissante, spécifique au nettoyage de drains, pourrait être nécessaire. Un service de nettoyage comme la mousse à biorestauration peut être considéré comme programme d'entretien préventif. Nettoyer à l'aide de produits de biorestauration est une façon efficace de prévenir les amas de matière organique dans les zones difficiles d'accès qui offrent un abri pour la reproduction des mouches. Les éviers de service au sol sont souvent oubliés mais présentent des risques potentiels d'infestation de mouches, de cafards ou de rongeurs. L'eau stagnante aide à la reproduction des mouches, tandis que l'obscurité et l'humidité attirent les cafards. S'il y a des problèmes structurels, les rongeurs pourront s'installer dans cette zone. Assurez-vous d'évacuer l'eau de la serpillière et de nettoyer le seau et la serpillière uniquement dans l'évier de service désigné et non dans un évier où vous pourriez vous laver les mains. La serpillière en tant que telle doit aussi être lavée. Lavez la tête de la serpillière et le seau à l'eau chaude savonneuse et rincez abondamment. Assurez-vous de suspendre la serpillière pour la laisser sécher. Les zones de la vaisselle peuvent être plus difficiles à entretenir car elles sont utilisées à longueur de journée. Les débris alimentaires et les sources d'eau aident à la reproduction de parasites comme les mouches et les cafards. Garder les lave-vaisselle propres et porter attention aux fuites aidera à empêcher ces parasites d'élire domicile dans votre cuisine. Il se peut que des résidus alimentaires restent coincés dans les filtres. Retirez tous les filtres et nettoyez-les au pistolet à eau et avec une brosse douce. Puis, à l'aide d'un détergent à vaisselle, aspergez les filtres, nettoyez-les avec une petite brosse et rincez. Vérifiez régulièrement les filtres, sinon la vaisselle pourrait être mal lavée et l'eau pourrait mal s'écouler. Les filtres doivent être nettoyés tous les 20 cycles. À l'aide d'une petite brosse, nettoyez le pourtour de la porte de la lave-vaisselle et les rainures du joint en caoutchouc. Essuyez la saleté, retirez le plateau inférieur et nettoyez la zone du drain également. Lancez un cycle à l'eau chaude seulement avec du désinfectant qui nettoyera la crasse et se débarrassera des odeurs de moisie. Voici quelques conseils pour aider à prévenir les taches sur votre vaisselle. Utilisez un agent de rinçage. Assurez-vous d'enlever la nourriture sur la vaisselle avant de la placer dans la lave-vaisselle. Vérifiez les filtres régulièrement. La crasse et les résidus alimentaires se coincent dans les drains de sol, créant un amas de matière organique. Les mouches et les cafards se reproduisent dans ces endroits à cause de l'humidité, de l'obscurité et de l'apport de nourriture. Retirez le couvercle du drain. Dévissez et retirez la crépine s'il y en a une installée. L'eau chaude peut ramollir et déloger les résidus coincés dans le drain. Nettoyez ensuite les côtés à l'aide d'un grattoir pour vous débarrasser de l'accumulation. Rappelez-vous de replacer la crépine dans le drain une fois que vous avez terminé. Un programme d'entretien régulier à l'aide d'un produit de biorestauration aidera à prévenir les amas dans vos drains de sol. Les intercepteurs de graisse aident à capter l'huile et la graisse pour qu'elles ne s'écoulent pas dans les égouts. Ces intercepteurs ne posent habituellement pas de problème de parasites. Mais s'ils sont sales ou endommagés, les mouches se reproduiront dans ce type d'environnement. Assurez-vous de porter des gants et des lunettes de sécurité avant de nettoyer. Dévissez le couvercle des intercepteurs et retirez-le. Retirez tout excès de graisse ou de déchets. Essuyez la saleté sur les joints et dans les coins à assurer que rien n'est endommagé. Votre salle d'entreposage est un lieu de choix pour les souris et les cafards. C'est tranquille, obscur et ça contient de la nourriture. Ne pas laisser la nourriture au sol et réparer tout dommage structurel aidera à garder ces parasites dehors. Tous les contenants alimentaires doivent être scellés et à l'épreuve des rongeurs. Une fois ouverts, ils doivent être placés dans un nouveau contenant qui ferme hermétiquement. Le nouveau contenant doit être étiqueté avec le nom du produit et la date. Les contenants doivent être placés sur des surfaces au moins 6 pouces au-dessus du sol et jamais au sol directement. Les étagères à roulettes faciliteront le nettoyage.
Les étagères ne doivent pas être en bois nu. Le sol doit être balayé et lavé régulièrement. Une fois par mois, vérifiez que les portes ferment correctement et qu'il n'y a pas de fissure qui pourrait offrir une cachette aux cafards. Sans entretien adéquat, les zones et les contenants à ordures peuvent devenir une source de nourriture qui attire les rongeurs, les mouches et les oiseaux dans votre bâtiment. Nettoyer régulièrement ces endroits peut diminuer la pollution des parasites aux alentours de vos installations et faire en sorte que moins de souris et de rats parviennent à entrer dans votre bâtiment. Quand vous apportez les ordures aux contenants, transportez-les dans des sacs plastiques bien fermés afin d'éviter qu'il y ait de la nourriture et des débris. Ne placez jamais de déchets liquides ou des sacs qui fuient dans un contenant à ordures. Assurez-vous que les couvercles des contenants à ordures et que les salles à ordures soient bien fermées et sécuritaires pour qu'ils ne deviennent pas une source de nourriture. Gardez les zones à ordures rangées et utilisez toujours des sacs poubelles ou des contenants à ordures. Ne les remplissez pas trop. S'il y a débordement, nettoyez dès que possible. Les contenants et zones à ordures doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. Cela aidera à diminuer les odeurs et la propagation des micro-organismes nocifs. Gardez les outils de nettoyage à portée de main du contenant ou de la zone à ordures en cas de dégâts. Assurez-vous de contacter votre service de collecte des ordures pour remplacer tout contenant endommagé ou qui fuit. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous pourrez les incorporer à vos opérations quotidiennes. Une cuisine propre et sûre facilitera le bon fonctionnement de votre entreprise et diminuera les futurs risques d'infestations parasitaires. Pour plus de renseignements et pour retrouver la liste de nettoyage, visitez cleansafekitchen.ca. Able s'engage à collaborer avec ses clients partout au pays pour leur offrir un environnement sans parasites. Retrouvez-nous en ligne ou téléphonez à votre succursale Able locale. Nous sommes là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous servir. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Vous êtes protégés avec Able.